Et c'est à tout, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Naruto Storm. Et aujourd'hui nouvelle vidéo présentation team. Et aujourd'hui je vous présente la team Sasuke. Donc sur ce les gars, c'est parti. Et donc la team Sasuke, je vous la présente. Il s'agit du coup de Sasuke mode tout début de Shippuden. Donc je sais plus comment il s'appelle, je crois il a pas de surnom cette forme. Bon c'est Sasuke quoi. Vous voyez bien duquel je parle. Avec du coup Karin qui est un très très bon soutien et qui fait partie de Taka, du coup l'organisation de Sasuke, enfin l'organisation entre guillemets, et de Suigetsu qui Suigetsu il est fort parce qu'en attaque triangle il a son dragon à queue. Du coup c'est puissant, mais après au corps à corps il est pas ouf, un peu comme Karin. Du coup le corps à corps ça sera surtout Sasuke. En fait le problème de Suigetsu au corps à corps c'est qu'il attaque lentement comme vous pouvez le voir. Et moi j'aime pas trop ça, je préfère quand le perso il attaque vite. Et du coup ça va être Sasuke qu'on va jouer en principal. Bon des fois on va switcher avec Suigetsu un peu, mais ça sera Sasuke le principal. Bah, d'abord je vais vous présenter Karin en soutien. Alors Karin en soutien les gars, à savoir que Karin c'est un perso grave sous-côté parce que elle est ultra forte en soutien. Enfin elle est pas sous-côté parce que beaucoup de gens la jouent. En fait quand vous savez, à partir du moment où vous savez qu'elle est forte, vous verrez beaucoup de monde la jouer. Donc en gros les gars quand vous... Imaginons l'adversaire vous tape, vous protégez. Hop, et vous pouvez mettre Karin qui mettra du parfum comme ça. Et du coup le parfum il fait un peu de dégâts. Mais ce qui est bien c'est que le parfum met des dégâts à l'adversaire. Il lui met des effets de poison. Enfin des effets divers. Et aussi l'adversaire est paralysé pendant l'attaque. Du coup ça veut dire que là je vais vous montrer. Donc je mets Karin. Là elle met son parfum et là vous pouvez reprendre le combo et taper. Et ça du coup c'est ultra fort les gars. Après on a quoi? On a Suigetsu pour attaquer de loin. Voilà. Et Sasuke j'avais deux choix. Donc j'avais soit le choix du Katon, soit le choix du Chidori. Et moi j'ai pris le Chidori. Donc déjà il a le Chidori où vous appuyez lentement sur rond. Donc là c'est un Chidori où il arrive plus rapidement en mettant des esquives. Et à la fin il jette l'adversaire. Ou sinon il y a le Chidori normal. Voilà. Donc après je vais vous montrer un peu ses combos. Donc ça c'est le combo du bas, le combo du milieu, le combo du haut et le combo en l'air. Voilà comme d'hab. Aussi un autre truc de très fort avec Sasuke, c'est pas son incliné, c'est son attaque spéciale, donc triangle triangle rond, qui est Kirin. Il faut que je recharge mon chakra. D'ailleurs aussi à noter ce qui est bien avec Karin les gars, c'est quand vous rechargez votre chakra et que votre barre jaune en dessous de la barre du chakra est rechargée au max, enfin est rechargée à partir de la petite lumière jaune là, je sais pas si vous voyez, je vous ferai un zoom je pense. Et ben Karin va vous aider à recharger votre chakra et du coup votre chakra se rechargera plus vite. Du coup c'est vraiment fort. Et du coup les gars son attaque spéciale c'est Kirin. Donc triangle 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 rond. Là non, deux fois triangle rond. Et ce qui est fort avec Kirin les gars c'est qu'elle met beaucoup de dégâts et qu'elle fait spawn un tonnerre au-dessus de l'adversaire et c'est compliqué à esquiver. Si vous n'avez pas de permute, déjà vous pouvez pas l'esquiver comme ça je pense. Enfin ça dépend, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et ça, si le mec se protège en gros il va se la prendre 4 fois et ça fait beaucoup de dégâts à la garde. Du coup c'est une attaque très forte, une attaque spéciale très forte. Et puis sinon il a sa garde aussi qui est bâtique en vrai. Donc voilà, et sur ce les gars on va passer en online pour tester la team, c'est parti. Donc ça y est les gars j'ai trouvé un adversaire, donc le mec en face joue une team très très forte. Il joue Neji, Sasuke, Boruto et Danzo. Donc c'est parti, on va essayer de faire face au mec. J'ai directement attaqué de l'un avec Suigetsu. Donc Karin n'a pas eu le temps de taper, c'est dommage. Ok, il a une permute, j'en ai deux. Oh putain, il a lancé son parchemin pile quand je l'ai lancé. Vu qu'il l'a lancé avec moi, mais ça a marché. Non, ma manette elle bug. Oh putain. Putain, ma manette elle bug là, ça casse les couilles. Mon Jesse qui va vers la gauche, vers la gauche, ouais. Ah, Neji qui a tout en priorité. Ok, j'ai plus de permis là, faut faire gaffe. Ok, mon compte n'a pas marché. Putain, mais. Oh, mais non! Mais je vais pas recharger mon chakra!
Mais putain. Ok les gars, désolé, j'ai eu un petit problème. Le combat s'est coupé, bon, le mec en face a gagné. Mais en fait, c'était pour vous dire que... Putain, pourquoi il a une queue jaune lui? En fait, c'était pour vous dire que les gars, le joystick de ma manette, je l'ai arraché sans faire exprès. En fait, vous voyez, mon joystick gauche, des fois, il bug et il va vers la gauche. Je sais pas s'il fait encore là, vu que je viens de l'arracher, peut-être ça remarche, peut-être qu'il n'y a plus de bug. Bref, il va vers la gauche tout seul. Et du coup, moi, tu vois, pour plus que ça bug, je fais quoi? Je le tire un peu vers moi, tu vois, je le tire un peu de son truc pour qu'il bug plus. Et d'habitude, le bug s'enlève. Et là, j'ai tiré un peu trop fort et du coup, ça s'est arraché, tu vois. Et genre, du coup, j'avais le joystick dans ma main et j'avais le petit bâton du joystick qui était droit, tu vois, le truc qui fait. Enfin bref, si vous avez déjà disséqué votre manette, vous savez. Du coup les gars, là j'ai réussi à réparer, je sais pas comment, j'ai pris un cure-dent, j'ai essayé de replacer le truc dans le truc. Et ça a l'air de remarcher, je vais voir en combat comment, qu'est-ce que ça donne. Je peux pas vous mettre d'image sur la vidéo parce que en fait je dois passer, vu que je monte sur la play, et ben je peux pas mettre d'image. Mais du coup les gars, si vous voulez voir si vous voulez voir ma manette pétée, comment je l'ai réparée, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram qui est... Ok, ça va, ça bug pas trop. Il y a une latence, mais c'est tranquille. Ah merde, j'ai pas eu le temps de me protéger. Ok, soudain on se protège tranquille. Vas-y, Karine, let's go. Vous avez vu Karine commencer fort, les gars? Ok, sa garde n'a bientôt plus de vie. Hein. Sa garde va péter. Et vous avez vu le renvoi de Suketsu? Ça c'est fort aussi le renvoi. Oh non, dommage. Ah, j'ai permis pour rien là. Oh genre c'est lui qui a l'avantage. Oh bien joué. J'aurais dû me reculer, j'ai pas eu la réaction. Ok, let's go, je l'ai. Oh là j'ai eu chaud là, je me suis dit sa garde a plus beaucoup de vie. Vous voyez les gars, Kirin commence fort ou pas? Merde, j'ai mis un coup dans mon casque. Aussi les gars, j'ai oublié de vous montrer mon éveil en début de vidéo, du coup je vais vous le montrer dès à présent. Hop là, voilà. Bon, vous aurez pas trop eu le temps de le voir, mais... De toute façon les gars, j'ai déjà fait une vidéo test sur Sasuke là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Non, non, non. Ok, ça va. Pas deux fois, frérot. Merde. Bon, on va se calmer, frérot. Oh, let's go. Oh, quoi? Viens là, viens là. Ok, nickel ça. On va activer le mode éveil. Vous voyez les gars comment le chakra il se recharge vite avec Karine. Allez, la marque maudite. Ah bon, j'ai plus de permute. Non. Oh, il a failli activer son mode éveil. Allez Karine. Let's go. Mais vous voyez comment c'est fort les gars? Vous voyez comment comment Karine en soutien est c'est grave fort. Et bon, j'ai à lui et du coup les gars je vais relancer un autre combat. Et les gars, donc j'ai trouvé un adversaire, donc moi je fais une petite modification avec ma team. J'ai mis la boule de feu à la place de du Chidori. Du coup let's go. Et les gars, j'ai l'impression que le bug de ma manette est parti. Donc au final c'était une bonne chose d'arracher mon joystick sans esprit quoi. Aïe. J'ai même l'impression que ouais le joystick remarche. Par
parfaitement. On va pas se plaindre, hein. Non, j'ai pas fait exprès. Voilà. Voilà, on a pris très cher là. Au niveau des permis surtout. Non, la garde ronde n'a pas marché, il était trop loin le mec. Oh là, j'ai fait n'importe quoi les gars. Il faut du chakra. Par contre, Karine qui recharge le chakra vite, ça c'est vraiment cool hein. Ok, le katon qui a complètement fail. Ah mais non, mais je fais n'importe quoi. Karine qui carry, encore une fois. Sans mauvais jeu de mots. Pourquoi il a balancé un katon carrément? Jubito est redoutable hein. Putain mais son mode éveil qu'est-ce qu'il est fort. Il aurait pas dû mettre Pain. Ah mais ouais mais Jubito c'est trop fort là. Aïe. Let's go le katon. Tu vas jamais me laisser la QA. Oh non 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 je suis trop con, j'aurais dû me protéger. Je me dis ah peut-être sa face. C'était pas loin de passer en plus hein. Ouais c'était sûr. J'aurais jamais dû faire le katon. Parce que le katon il se fait niquer par la fournaise de la vérité. Il faut que je la fasse et que je le balance à katon genre. Attends, je sais. Vas-y fais là. Voilà, là j'esquive et je balance le katon. T'as vu la strat ou pas? Vas-y refais-le. Ah oui, oui, c'est vrai, si j'appuie longtemps sur rond, avec le katon, ça balance des dragons comme ça. Oh là là, c'est la merde. Voilà, des... Putain. Je prends trop cher. Allez, let's go. Let's go, on a win, j'ai déjà lui. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et sur ce, c'est ciao.